trop super. Quelle plaie les filles. Toujours à trinailler. Alors quoi encore? Regardez ces petites chenilles. Elles sont trop mimi. Hein? Nya 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 nya. Bébé gnognote. Oh, les jaunis sonis. Hein? Ah, c'est quand même marrant ces petits igouigouis. Tu parles? N'importe quelle cucuterie et vous bavez. Nous on aime bien les trucs mignons qui vont aux filles et aux garçons. Les petites bêtes en accordéon qu'on peut gratouiller sous le bedon. Comme ces jolies petites chenilles qui se tirent en vadrouille en famille. On veut des bébêtes qui se tartillent comme ces craquantes petites chenilles. Je vous signale qu'on doit acheter le pain. C'est urgent. Mais oui. Et ensuite, on doit jouer à Super Destructor. Oh, quel rabat-joie. Allez, on entre. Juste pour jeter un petit coup d'œil. Deux secondes, hein. Pas plus. Vous avez vu comme ils sont moches? T'as raison, ils sont moches de chez moches. Oh non, lui il est trop mimi. Bouh. Ah. Oh le petit ourson, il plaît trop. Je le veux. Pas question, des ours t'en as déjà trois. Et puis c'est trop cher pour nous. Bon, une chenille et puis c'est tout. Qu'est-ce qui vous ferait plaisir, les enfants? Bonjour, madame la marchande de peluche. On peut voir les chenilles, s'il vous plaît? Oui, s'il vous plaît. Les chenilles. Oh, vous êtes des petits vénards. On solde le lot entier pour 10 euros. C'est l'affaire du jour, hein. Profitez-en, c'est valable 15 minutes. Mmh. Wow. Ça chatouille. Regardez, elles sont élastiques en plus. On les prend toutes. Tout ce qu'on a eu. Pour 10 euros, quelle veine. Dire qu'on a failli rater ça. Vous pouvez me remercier. On va faire un immense circuit à chenilles. Ouais. Vite, on achète le pain et on rentre. Ah, misère de misère. Le pain. On n'a plus de sous. Ça va barder. Ah, on va se faire écragribouiller. Grouillez-vous, faut tout planquer. Coucou. Hey, vous me trouvez comment? Mais qu'est-ce que tu fiches? Qu'est-ce qu'on va dire aux parents? Je sais, vous avez qu'à dire... Alors on leur dit quoi? Papa! Alors ce pain, c'est pour aujourd'hui ou pour demain? Ben... Demain, non? On a été attaqué. Oui, par une bande de voyous. Quoi? Ils ont pris tous nos sous. Et vous ne vous êtes pas défendu? Mais Papounet, c'était des hooligans. Ils étaient tous poilus, le crâne rasé, énorme, tout vert. Vert? Mais vraiment vert? Ils ont sauté sur nous comme ça. Eh ben, Léon. Oh, quel idiote. Oh, mais je n'y... Et voilà, tout s'explique. Videz vos poches. Oh. Des peluches. Mais vous avez 2 ans ou quoi? Allez, rentre immédiatement ces cochonneries. C'est pas moi, monsieur, c'est elle. C'est pas moi, Papounet, c'est lui. Quoi? Eh ben... Oh, non. Au secours. Hop. Vous sauvez pas, là. Je vous accompagne. Non, pitié, Papou. On a trop honte. Allez, hop, entrez. Jamais. Plutôt mourir. Eh ben, j'y vais tout seul, moi. Bande de trouillards. Qu'est-ce qu'il fabrique? Tu peux être sûr qu'il est en train de nous coller la honte. Non, mais vous me fichez pas ou quoi? Oh,
des chenilles à leur âge. Et vous les laissez faire. Mais monsieur... De grands idiots, incapables de résister à la moindre tentation. Vous n'avez pas honte. Et vous, adultes, vous les encouragez. Ils vont marcher droit. Ah, je vais les mettre au pavre. Furaille de cordille de perdouille. Les enfants, donnez-moi un coup de main. Mais aidez-moi, bon sang. Moïse. Mais c'est quoi ça? Eh oui, j'ai craqué. Mais je l'ai eu pour trois fois rien. T'appelles ça trois fois rien? 90 euros, ça fait combien de pain, ça? Quand j'ai vu cette bouille, j'ai pas pu résister. Mais c'est pas vrai! Il a 2 ans ou quoi? Di-da-di, di-da-da-di, di-da-di, di-da-da-di.